Mais on a un problème. Premièrement, le sous-marin d'à côté a été touché par une bombe. Pourquoi ça tire? Parce que c'est la guerre. Mais le RP a commencé déjà? Bah oui. Attends, mais ça pète, je suis pas encore équipé. On n'a pas récupéré de balles, c'est normal? Bien, monsieur, non, allez-y. Non, c'est normal. Vous êtes plus ou moins comme des civils. Et c'est ça le problème. Actuellement, il y a des torpilles dedans qui risquent de péter à tout moment. Il faut les faire sortir et les faire partir le plus rapidement possible hors du bunker. S'ils s'activent, ça va causer problème et on va mourir, on sera fin dans les gravats. Ah. Qu'une personne ici a envie de mourir dans ses gravats. C'est pour ça que la première escouade va s'amuser à essayer de déloger ces saloperies de torpilles et les faire sortir de là. Quant au reste, il va falloir préparer le sous-marin pour partir. Vous devez prendre le nécessaire, c'est-à-dire rations, armes, pour pouvoir négocier avec les personnes qui sont en surplace quand on sera en Amérique du Sud, et pour nous défendre au cas où. Et en même temps, il va falloir faire des reconnaissances tout autour du bunker. On sait jamais, il faut surtout pas se faire choper. Bien messieurs, je veux actuellement deux groupes. Un groupe qui va s'occuper de déloger dans le sous-marin les premières torpilles, et le reste qui va s'occuper que ça soit la destruction des tanks et des reconnaissances tout autour. Il y a un incendie ici. On va pas passer par là. Très bien. Que ça soit du sous-marin, des torpilles et du char. Oh, soldat. Qu'est-ce que c'est que... Aéronef, mire l'approche. Plage en 5. Évacuation immédiate requise. Il y a des explosifs ici, c'est normal. Wow, c'était quoi ça? Écartez-vous de mon temps. Attendez, je vais vérifier. Faut souper les torpilles. Très bien, bleu. Toutes les étapes sont déjà assignées. Comment on fait? Il y a le team. Alors, je pense qu'il faut quand même mettre des... Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là? Bah, appuyez pas. Ne touchez pas, du coup, moi, enlever les torpilles. J'arrive. Brouillard normand qui est en train de se mettre dans la base. Heureusement que j'ai fait ça. Oh putain, lui encore on a fait de conneries. Tépais-toi sur moi. J'ai pas ton nom. Otto von Schratt. Gros, c'est l'alerte, alerte. Tu vois pas? T'as mis de la dynamite là sur le chat? Oui, le char en fait il crame, mais du coup avec le V-Fire ça a explosé. Par contre, le char ne prend aucun dégât. Tu parles duquel, le petit char? Le gros. Le prototype? Vous avez mis de la TNT dessus? Oui, et la résiste. Bah, remets-en. Bah, dans les caisses. Allez, on en remet, c'est parti, messieurs. C'est moi ou c'est la Kriegsmarine qui veut faire péter le tank? Mais oui, mais mec, il galère. Tu sais que le tank il a encore mis 300 HP. En fait. Pour faire comme la tradition. Et pourquoi on le fait péter? On peut pas le foutre à lourd. Eh hey, mais il est indestructible le chat. Il a encore 1300 HP. 1200. 0. Je peux juste me donner ma Gower s'il vous plaît. Je vais m'en occuper. Assez chaud ce projet. Personne ici. Oula. Eh, hey, qu'est-ce que tu fous dehors là? Je... Ouais. Bah retourne à l'intérieur là. Déjà? Non, on a un problème. C'est des putains de Russes. Ils nous attaquent. Ils sont au sol. Comment ça, des Russes? C'est impossible, non? C'est pas des conneries. Ils sont en train de se diriger vers là. Oui. Cette ration.
Il est berserk. Je prends note. T'as une idée de fou là. Faut que tu maintiennes quand tu es. J'entends rien vers. Je maintiens un clic gauche. Il parle trop les gars. Attends, viens ensuite. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, hop. Par contre, ils vont à la surface vraiment. Ils sont une dizaine à partir à la surface. Mais une fois qu'on a fait péter l'entrée, faut faire, on prévient, c'est ça? Bah après, l'autre entrée, elle est bonne, hein, normalement. Mais ils sont passés par l'autre entrée en plus, pas celle que t'as pété. Ah, celle qui est en cours. Mais dites-moi, quand vous mettez les explosifs, je mettrai des rochers. Bah après, moi, là, c'est des bonbonnes de gaz qu'on a déjà mis des... On a déjà fait péter des les poteaux en fer. Bon, on va chercher des rations. Bon, on va chercher des rations. Soldats, venez ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le nom... Lyok, tu voudrais que je fasse quoi comme type d'action? Faudrait m'aider peut-être pour le carnage. Mettre des incendies, vraiment, tu sais, donner un aspect pété à la base. Pour les incendies, je prends le V-Fire Gascan. Ouais, mais faut faire gaffe avec V-Fire par contre. Ok. Le livre... disparu, on va dire. Je le supprime vraiment. Est-ce que je peux avoir ton nom RP, s'il te plaît? Je suis Gabriel Strice. Uniforme... Il est encore dans le bureau, là? Non, il est. C'est pas celui-là, c'est celui qui est. Si tu continues sur le chemin, sur la gauche, tu vas tomber sur une autre base comme ça. C'est ça. Vous aurez pas vu un mécanicien par hasard? Il y a le feu sur le. Ils ont été placés dans le sous-marin, les prototypes. Il y a le temps de prototype. Il est complètement niqué. Les documents. On se marre. Putain, mais ils sont les mécanos. Je ne sais pas du tout. Je te rends pas, je crois qu'il est parti dehors, il me semble. Oh mon dieu, quel clé. Oh putain, ça brûle. Éteignez ça vite. Ça a piqué. Éteignez ça vite. Allez chercher les sonos là. Les torpilles sont en train de cramer. Mais genre là, mec, genre 5 ou 6 personnes qui sont passées devant le feu et genre vraiment se sont battus les couilles. Bah ouais. Ils l'ont carrément sauté le feu, c'est pour te dire. Les mecs s'en sont battus. Bon bah... conséquence, hein. Bah écoute, moi tant pis, je suis pété une bombe de 500 par de cendres. Y'a quelqu'un qui vient de nous prévenir. Moi j'étais au truc où il y avait le... Génial, ça m'a explosé dans la gueule. Ok. Allez hop. Ah non. Je croyais que c'était facile. Transportez-le. C'est deux, là. Bordel. Oh bordel, il Ma lance elle marche plus. Elle a plus. Ah mais il se fait bien. Elle marche plus ma lance. Ah ça brûle encore. J'ai balancé du feu devant un mec. C'est qui que t'as brûlé? Je sais pas, j'ai balancé du feu devant un mec. Bon bah du coup Lyok, je vais condamner une zone de la map hein, parce que ils y sont pas allés donc ouais, vas-y. Y a toute une zone que je vais Du coup j'ai pas compris, vous avez fait péter les entrées ou pas encore? Je vais mettre des rochers si tu veux. Ouais, mets des rochers parce que là ils sont en train d'y aller mais genre la zone elle est condamnée. Techniquement ils veulent pas. C'est quoi les trucs parce que je les sors? C'est les pierres? C'est des rochers, dégage. Ah j'ai... c'est pas la texture. What the fuck, pourquoi la mienne elle est grosse? Les mecs sont tous dehors donc moi je tire à côté d'eux. Enfin je tire vachement loin d'eux d'ailleurs. Mais tire au pied d'un mur alors que les mecs étaient... D'accord. Je les attaque. Je t'ai demandé si tu pouvais faire les américains qui... Non mais y'a pas d'américains putain. Mais mec... Des tirs, du coup. Non mais... Faut juste les entrées. Je peux faire un truc... comment dire? Mais t'es dignitaire là. D'un mec. Non là je suis pas dignitaire. Enfin là oui t'es mais... T'es quoi? Ils m'écouteront pas, si je suis en dignitaire. Là je suis en staff, mais... je t'avais dit non, on va mourir. Au pire tu vas voir un officier, tu lui dis que ça grouille. Les entrées sont pétées. Hein. Et du coup on a trouvé une petite zone dans les boules d'aération en fait, où on peut passer pour...
façon c'est indiqué qu'il faut faire péter. Lira, je sais. Si tu continues tout droit, tu vas finir dans la zone de stockage en fait, où il y a une échelle, tu peux descendre. C'est là où il y avait un ancien Panzer, je crois. Ah ouais, je la vois, mais justement, cette sortie-là, elle est condamnée, hein, je pense. Ah bon, faut mettre des props pour bloquer, sinon... Ah oui, c'était bloqué. Ah, ça a été bloqué, hein, là, c'est bloqué. Bah, après, nous, on sait pas si c'est pas bloqué ou pas avancer. C'est-à-dire qu'on est bloqué à l'intérieur de ce bâtiment. Il y a une autre sortie qui vous amène directement en face du bot. Enfin, je crois... Ah, il nous faudrait un médecin. Enfin, je vais me décloquer tout, je vais faire semblant de sortir du sous-marin. Et je vais aller voir le plus haut gradé pour lui dire que ça commence à être la merde et qu'on reçoit des notifications de... T'as raison, c'est une bonne idée. Voilà, je suis le meilleur. Des trucs des plans, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mal barré parce qu'en plus, il y a pas de médecin. Sur cette base, donc bon. J'ai entendu un peu déblatérer. Je pense qu'il y a d'autres problèmes que c'est... Putain. Bon, du coup, je suis en train de leur parler de mes plans qui ont été volés. Hein. De quoi t'es en train de récupérer les plans, gros? En fait, on s'est le truc, c'est que moi j'ai... Oula, là, ça prend pas de la sabre. Mécanicien! Mécanicien, un extracteur! Ah, je suis bloqué. Ah, mon cap, attention! Vous brûlez! Cassez-vous! Courez! C'est toi. Le coup, je me tire dessus. Excusez-moi. Mais c'est complètement fou, mon capitaine. Mauvais réflexe. Il y a eu tentative d'assassinat. J'ai une idée de merde. Wow! Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on est des soldats du champ. Capitaine, j'ai demandé à être promu. Ah, je me sens plus chaud. On va te faire troisième classe. Moi, attendez, c'est la fin du Reich, vous demandez des grades encore. Ah, je propose un rassemblement des hommes parce que là c'est bordel. Voilà. Il faut retrouver mes documents, ils ont été. À toutes les unités, une patrouille ou non identifiée vient d'être repérée près de la Yarn. Que des hommes aptes au combat se dirigent immédiatement vers les sorties annexes pour l'engagement. Situation critique. Je répète, situation critique. Putain, ils sont battent les couilles de mes documents, genre rien à foutre, j'entends forcer pour qu'ils les récupèrent. Vous étiez en train de dire que vous alliez nous rendre aux Russes et tous devant, je fais bah non, j'ai pas dit ça. Je sais pas ce qu'on cherche dans le sous-marin, mais ça a l'air d'être bien. Qu'est-ce qu'on porte des caisses et pitons. Ils ont monté les caisses, mais c'est stylé. Non mais on s'en fout des livres, faut charger la bouffe. Lyoc, je voudrais faire une scène où en fait je voudrais contacter les soviétiques. Faudrait que tu fasses une action en fait où t'as des navires qui empêchent le boat de se barrer. Ok, bah je peux les contacter ou pas? Ouais. Mais du coup par rapport au message, tu crois que ce sont des soviétiques. Mais ce que je peux te proposer, c'est que d'abord tu vas faire l'évacuation normalement. D'abord faut trouver du fuel. Ramène les gens sur le sous-marin, tu fais un discours en mode on se barre, et là va y avoir les navires. Ok. Non Léo, pardon. Je freeze. Ah, c'est un traître. Ok, je préviens. Il est un traître. Un homme en casquette blanche est un traître.